je la costume. Sur le Maintenant, c'est un tour. Allez, faut qu'il finisse d'abord. Juste laisser son truc, c'est pas grave. Dis-moi, tu t'inscris pour voir Alice à l'aide de cœur. Pour voir que je suis nouveau, ça ne sert à rien de s'inscrire. Pourquoi? Parce que la reine de cœur gagne tout le temps. Pourquoi? Soyez sérieux. Parce que ça lui tient à cœur et qu'elle est son cœur. La scène de Alice. Tu n'aimes pas la vie. Et je suis Alice 2. Et moi je suis Alice 3. Non, c'est les maîtres qui sont trop beaux. Dans la pièce. Et j'ai sa robe. Ah, Béni. Voilà. J'oublie un truc. Arrête de bouger. C'est désormais. Le deuxième, c'est le chapelier. C'est important pour vous le théâtre ou pas? Oui. Ça nous apprend à pas être timide. Oui, on peut se mettre ta pochette. Vos costumes. T'as des chaussettes noires? Non. Oui. Bah, en tout cas, tu enlèves ces chaussures-là. Hein. Qu'est-ce que t'as au pied? Ah, oui, si. T'as des chaussettes noires. Moi, je reste en chaussettes. Oui. T'étais pas pieds nus, toi, pour le bas-de-bas? Si. Je vais les enlever là-bas. Sans chaussettes, sans rien. Comme tu veux. Fais les bretelles. Voilà, la boucle. Non, on va aller sur le plateau. Il n'y a plus d'enfants là-dessus. Il y a des gens. Quand est-ce qu'on va commencer le spectacle? Oui, je suis en retard. Je suis en retard. Et là, je me lève. Bonjour, monsieur le lapin. Puis-je vous aider? Vous semblez perdu. Mais taisez-vous, enfin, vous voyez bien que je suis en retard. Bon, où se trouve le château de la reine? Le château de la reine? Mais de quelle reine parlez-vous? Laissez-moi tranquille, mademoiselle. Alors, il y a du temps. Parce qu'il y a un discours. Monique doit faire un discours pour le secours. Oui, Monique. Monique, ensuite, moi, je vais dire deux mots. Et ensuite, je reviens. On est tous les petits, va dans, c'est bon dans la régie. Et moi, je serai dans les coulisses avec vous. Montrer parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens et parce qu'on connaît pas, on connaît les textes. Mais en plus, il y a des gens qu'on connaît. Ah, c'est un bonheur extrême de se retrouver là dans cette belle salle et de voir aussi beaucoup de visages connus. Parce que ça fait 26 ans que je suis au Petit Bar, un petit groupe quand même. 20 ans déjà depuis le jour où Stéphanie a frappé à la porte du local du Petit Bar pour parler des ateliers théâtre avec les enfants de l'accompagnement scolaire. Et l'aventure a commencé. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, vous allez voir notre dernier travail. Donc, nous avons adapté l'œuvre de Lewis Carroll, donc Alice au Pays des Merveilles. Merci beaucoup et bon spectacle. Souvenez-vous qu'autrefois était autrefois, et qu'aujourd'hui est un autre temps. Voici ce qui fut et ce qui sera ou ne sera pas. Et maintenant, ouvrez vos oreilles pour écouter une histoire arrive, elle arrive. Oyez, oyez, bonjour. Vous voulez tous écouter les étranges et extraordinaires histoires venues d'ailleurs et de nulle part. Oh, un champignon. Vous auriez dû avoir fini. Quand avez-vous commencé? Le 14 mars, je crois bien. Le 15!
Notez cela, ôtez votre chapeau. Il n'est pas à moi. Volez ? Je suis chapelier, je lui tiens en vente. Voici la danse des Alice. Et maintenant, le débat du jury. Et la gagnante est la reine. La tête couronne. Ah oui, t'as pas eu le trac du tout? Non. T'as passé un bon moment? Ouais. Le spectacle, oui, j'ai adoré. J'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai pas eu le trac parce que déjà, on voyait pas le public. C'est, il était, bon, enfin, le public était en noir et voilà. Bon, mon préféré, c'est quand, c'était quand ma sœur, elle fait la chenille. C'est génial. Trop bien. C'était vraiment trop voilà. bien. Trop bien. Trop bien. On a un peu stressé, mais bon. On va en premier. Voilà. Bon, on vous laisse aller, on va changer de vie. Anouar qui habitait à la tour. Mais c'est toi là? Oui, c'est moi là. Ça c'est Ajar. Ouais. Très beau souvenir, on est même allé jusqu'à Paris, c'était très cool, on a joué avec une autre troupe à Paris. C'était sympa. C'était la première fois que tu allais à Paris? Ouais, c'était la première fois, j'avais 13-14 ans je crois, voire même j'étais peut-être un petit peu plus jeune. Et on a joué, c'était un très bon souvenir devant, une, devant beaucoup de monde. Franchement, c'est un bon truc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dès que je regardais la pièce, j'ai fait, mais si on n'a pas connu le théâtre de notre enfance, elle est résumée à rien. C'est bien, c'était bien. Ben, j'ai appris plein de personnes. Ça m'a... Déjà que j'étais timide, alors ça m'a appris à moi être timide devant les gens. Je trouve que j'ai bien aimé. Ça, c'était Kamel, je crois. C'était le chat. C'était mes deux premières vidéos. J'avais été 2006. Moi, il y a quelques mois, 2006, j'avais fait plusieurs années à la suite d'affilée. Et après, bah, je reviens aujourd'hui. Ça fait des souvenirs. Du coup, c'était super. Bon, vraiment une super expérience, comme je disais, avec le spectacle, les voyages. Bon, franchement, ça a été super enrichissant, en fait. Du coup, je suis contente aujourd'hui de revenir avec mes petits. Et puis, on en a fait du chemin depuis. Sinon, je te mangerai. Tu vas? Ben oui, c'est bien, il y a des gens qu'on connaît, on connaît tout le quartier, mais ici, on va s'habituer et on va un peu connaître tout le monde. Voilà. Oui, c'était trop bien! En plus, il nous a accueillis avec des pompons. Et en plus, il y a une télé écran plat, il y a notre,
notre lit, il est rose. Il y a un lit superposé, il y a un petit lit carré, il y a une grande télé et il y a un lit. Et il y a un grand lit. C'était le luxe. Il y a des souvenirs qu'on avait oubliés. Et du coup, c'est super d'avoir. De cette revue depuis tant d'années. Voilà. For my African heart.